affrontera Otonashi Loclo en demi-finale. 83% dans ce victoire, et c'est ça qui est absolument démentiel. 379 parties et 31 000 BP MDR qui abandonne, eh bien, Rufus pour jouer Yoon. Et ça, c'est une énorme info, hein, parce que reste-t-il? Qui reste-t-il comme joueur de Rufus au Japon? Je vous pose tout de même la question. Il y a peut-être un 3110, un Chuck qui traîne par-ci par-là, mais ça n'a jamais été des top players Rufus. Il n'y a plus aucun joueur de Rufus. Les Japonais ont totalement déserté le perso pour jouer Yoon à la place. Et c'est bien normal, hein, je dis, hein, entre Rufus et Yoon, d'un point de vue du charisme, il n'y a quand même pas photo. Les Japonais le savent, et s'ils jouaient Yoon, Kim Devu me l'a dit très clairement au Japon, c'est uniquement parce que le perso est très fort. Allez, un Nisho après cet ex-maverse, vous savez qui met pas à terre. Ceci est opposé à Zangief, on l'avait déjà vu, hein, dans les tournois à chaud, hein, ce Zangief est censé être un match-up difficile pour Yoon. Vous voyez, il ne peut pas réellement attaquer. Seulement, MDR utilise de façon absolument somptueuse le avant gros point de Yoon qui casse, vous voyez, ses lariates dans le vent pour charger la barre de super du Gief. Quelques palmes dans le vent, lui aussi cherche la barre super, il va aller avant gros point, ça fait plusieurs fois qu'il met ça sur arrière medium punch avec le bas medium punch qui whiff, la chop qui est passée dans le vent, ouais, Stand Light Punch, Stand MP, Nisho, et ça fait combo et ça fait mal, il a plus d'attaque, malheureusement le Gief, c'est difficile de saisir, et ça c'est safe complet, hein, le X-Launch Punch est derrière, c'est dragon pas propre du tout, un bon gros pif d'ultra, on bourre un lariat et on se prend ici un Launch Punch qui trade mais qui donne le premier route à MDR, et vous avez vu, il reste 5 secondes, MDR qui ne peut pas attaquer. On ne peut pas attaquer sur Zangief, c'est normal, ça représente beaucoup trop de danger. Seulement, eh bien, il connaît parfaitement le match-up. Déjà, je veux dire, il a créé le match-up, hein, tout simplement. Avant gros point, vous voyez, même comme ça, c'est difficile. On se bat LK qui se fait immédiatement casser par un dragon au milieu de ça. Prendra aucun tic trop, de toute façon, le dragon part tellement loin que Gief ne peut absolument pas punir. C'est gratuit d'envoyer gros dragon. Allez, Genai Jin dans la gare. Ah, il a mis dans le vent, il va prendre le Genai. Hey. Et il va reset. Voilà, avec cette dive kick ici. Il l'a mis à terre, un tout petit peu raté le reset de combo, à mon avis, là-dessus, MDR. Sauf les fins ultra. Et l'ultimate atomique. Capitaliste basta dans sa tête, permettant ici au Gief de revenir dans la partie. Hey, option select, même cette option select ne marche pas. La punition, c'est l'ultra dans les boules. Voilà, ex shoulder dash en juggle, parce que c'est pas drôle, vous comprenez. Après cette ultra, il faut un juggle qui arrache encore un peu plus d'énergie derrière, parce que sinon le perso ne serait pas assez pété.